avec des armes sur un t-shirt indestructible. De Wish la famille. Wesh les Knox Crypto, aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière en compagnie de toute la team autour de moi. Voilà les gars. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour un nouveau concept très particulier, un concept super dangereux la famille. Et aujourd'hui on a décidé de faire ça avec vous. Le concept aujourd'hui la famille, c'est très très simple, c'est qu'on va tout simplement tirer avec des armes sur un t-shirt indestructible de Wish la famille. Waouh les gars, il est chaud frère. Ça veut dire en gros les gars, c'est vraiment très très simple. J'ai acheté un t-shirt donc sur Wish, c'est un t-shirt seulement qui est considéré comme indestructible, c'est-à-dire résistant aux coupures, aux coups de couteau, aux balles, toutes les balles les gars, airsoft, balles réelles, tous les gars. C'est un t-shirt vraiment de Wish et c'est écrit indestructible 5 étoiles. Donc aujourd'hui, la famille, c'est simple, on va tester simplement si sur Wish c'est des mythos ou non, si ce t-shirt est vraiment résistant aux balles, aux coupures, aux coups de couteau. On va tester ça tout de suite un par un avec l'équipe. Du coup la famille, on va tester ça en vidéo, ce petit t-shirt de Wish qui est résistant à tout, il est vraiment indestructible la famille. Du coup on va tester avec beaucoup d'armes, vous allez voir, des armes airsoft, des coups de couteau les gars, ça va vraiment être la folie cette vidéo. N'hésitez pas à liker dès maintenant, commenter, partager comme d'habitude. Abonnez-vous les gars, activez la cloche. On va tester si ce t-shirt c'est du fake ou non. Est-ce que vous pensez que c'est du fake? Moi je vous dis, je sens la texture déjà du truc gros. C'est vraiment de la maille, vous voyez le truc de chevalier, c'est de la maille frère. Ouais. Regardez la vidéo la famille, on va vous présenter toutes les armes avec lesquelles on va tirer aujourd'hui. Et on va voir si simplement ce petit t-shirt indestructible de Wish va résister ou non. Du coup la famille, comme vous expliquez, il y a un t-shirt normal, donc un t-shirt blanc du commerce normal à 2€, et un t-shirt les gars indestructible qui a coûté quand même pas mal d'argent. C'est un t-shirt en maille, en côte de fer. Du coup la famille, on va tester le t-shirt à droite indestructible de Wish et le t-shirt normal du commerce avec toutes ses armes. Et on verra à la fin si ce t-shirt de Wish vaut vraiment le coup, si c'est de la pure arnaque ou si c'est vraiment un truc super bien pour se protéger dès que tu traînes dans la rue et tout. Au cas où tu prends un coup de couteau, ça peut te protéger autant, tu vois. Donc on va tester ça tout simplement aujourd'hui avec la team. Du coup la famille, pour le premier round, ça va être moi contre mon petit frère. Moi personnellement j'aurai donc tout simplement le truc en maille, le truc de Wish les gars indestructible. Et mon frère aura le t-shirt basique. Les gars, pour le premier round, qu'est-ce qu'on va faire les gars? C'est qu'on va simplement tester avec ces couteaux là. Donc c'est des couteaux vraiment super tranchants. Et on va voir tout simplement si le t-shirt de Wish résiste à ceci. Du coup la famille, mon petit frère va commencer avec le t-shirt normal pour voir si vraiment il résiste aux couteaux. Les gars, c'est des couteaux de guerre. Donc à un moment donné, ça m'étonnerait qu'il résiste à un couteau la famille. Mais bon, commence, c'est parti. Mais écoute que t'as Wouah! Direct! Normal les gars! Côté t-shirt les gars, il s'est déchiré vraiment un seul coup. Il a à peine pointé le couteau que ça s'est déchiré cash la famille. Donc franchement, c'est un t-shirt à 2€, c'est un t-shirt normal. C'est normal. Maintenant, guettez la famille, le t-shirt de Wish, indestructible en code de maille. 5 étoiles sur 5 étoiles, vas-y. Wouah! Incassable! Incassable, gros! Incassable! Mais c'est cheaté, frère! Oh, il se casse pas? C'est incroyable. Les gars, franchement c'est là. Déjà, résistance au couteau. Résistance au couteau, 5 sur 5. On va tester avec le deuxième après. Mais là déjà, résistance au couteau les gars, pour le premier couteau, 5 sur 5. Plus guetté, il a à peine forcé un petit trou. Ouais, c'est vrai. Là, les gars, ça a resté à mort. Donc déjà, pour le moment c'est validé. Déjà à ma place là je meurs là. Pour le moment c'est validé. Pour le moment le t-shirt est vraiment indestructible pour le moment. Il est épais en fait. Et ouais, il est super épais. Et moi je dirais, il y a du fer, tu vois, même moi ça pique frère. Ça te protège. Du coup la famille, je suis vraiment choqué, pour le moment le t-shirt de Wish marche super bien, 5 étoiles sur 5 étoiles la famille. Pour le moment franchement, si je me fais planter dans la rue, je sais que je risque rien, alors que lui les gars, c'est direct, il plante, gros il aurait plein de sang déjà là. Donc Amine, on va tester un deuxième couteau, un couteau papillon les gars, un couteau encore plus puissant, c'est parti Amine. Voilà, petit truc de magie, montre bien, allez. Je coupe pas? Ouais vas-y coupe. C'est normal. Ah je suis normal. Ah il prend mon cœur là, c'est normal. Normal, maintenant guettez maintenant. T-shirt de Wish frère. Que du ventre frérot. Les gars, la vérité, qu'est-ce que t-shirt de fou la famille? Tiens à mort. C'est mort frère. Il tient trop. C'est magnifique. Mettez-moi ça les gars. Achetez-le frère, achetez-le. Franchement la vérité, je vais pas vous dire où je l'ai acheté, c'est sur Wish, je vais pas vous dire le lien. Mais la vérité les gars, que ce t-shirt, pour le prix, il tient de fou malade. C'est le t-shirt de Wish gros. Déjà au couteau il tient. En ce moment on va dire merci les gars. On a quand même des sales armes, des grosses armes pour tester par la suite. On va voir si ça tient ou pas. Du coup la famille, pour la deuxième manche, on se retrouve moi contre Zach. Moi les gars, j'ai toujours mon t-shirt Wish indestructible. Pour le moment les gars, je le garde parce que franchement il me régale. Ensuite les gars, il y a Zach à côté avec un t-shirt les gars. Et là les gars, on va tester les couteaux. Les couteaux, j'ai gagné clairement les gars. Mon t-shirt ne s'est pas fait déchirer contrairement à mon petit frère. Là les gars, pour la deuxième manche, on va tester avec des armes 2 points. Donc les gars, c'est des armes, franchement, c'est
des armes surpuissantes. On a premièrement donc un gros pistolet. Ça c'est des gars, c'est au CO2, c'est du gaz. Ensuite là les gars, donc on a une arme basique, les gars, une arme normale, elle est quand même puissante les gars, mais c'est une arme normale. C'est une arme normale, ça va quand même faire mal. Et ça les gars, c'est un Glock, donc c'est une arme qui rafale, les gars, c'est une arme qui bombarde automatique. Donc franchement, ça risque de bombarder. 3, 2, 1. Ah, c'est mal. Ça chien. 3, 2, 1. Gang. Oh, ça a rien fait, ça a repoussé la balle, elle est là, moi. La balle, elle a été repoussée, gros. Oh, c'est cheaté. Ma parole, gros, ça sent rien. Ça sent rien du tout, je sens rien du tout, les gars. Guettez mon arme. Bon, les gars, il est mal. Gars, il a encore mal. Moi, les gars, j'ai vraiment rien du tout. Guettez-moi ça. J'ai rigolé pendant qu'il a tiré. Du coup, là, on va passer au Glock. C'est l'arme la deuxième la puissante sur les trois pistolets. Je suis parti. Je commence par toi, Zach. Je commence par toi, Zach. Vas-y, viens. Vas-y, commence par Zach, vas-y. Viens, 2-3, viens, 2-3. Ça fait mal. Il a vraiment mal. Oh, t'as mal, frère. Je suis Zach, espèce de dingue. On dirait un gilet pare-balles, frère, j'ai rien eu du tout. Du coup les gars, dernière arme, c'est l'arme la plus puissante des pistolets. C'est CO2, il y a un recul de fou, vous allez voir. Oh, j'ai rien, frère. Oh, j'ai rien, ça rebondit. Ah les gars, regardez-moi ça, il y a juste l'impact ici. Je sais pas si vous allez l'avoir. Il est là. Il y a eu l'impact de balle qui est juste ici. Oh, il a fait un trou, le collègue. Mais il y a pas un trou gros. Il y a rien. Get. Il y a aucun trou. C'est de la maille, c'est cheaté. C'est de la maille, bon, c'est cheaté. Oh, c'est oui. Donc là, les gars, il a tiré avec une CO2, j'ai rien eu. Du coup, les gars, deuxième vague d'armes, c'est le pompe fusil à pompe de chasseurs de fou. Regardez les balles. Avec la petite balle en bas. Les balles de fou, du coup, on va tester sur eux. Ça va être incroyable, les gars. Donc, c'est Yamin qui va s'occuper de ça. L'arme, c'est une airsoft, mais c'est dangereux. Donc, Yamin, occupe-toi de ça. Vas-y, on recule un peu, les gars, au cas où, je recule un peu. Qu'est-ce que tu vas? Le mec, c'est chaud, collègue. Vas-y. Attends. Allez, what the fuck? Y'a rien. Vas-y. Attends, Yamin. Pas de compte à rebours. Vas-y, t'es petit côté. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, ça tape mal, gros. Vas-y, Yannis, Yannis. La dernière fois dans mes yeux. Vas-y, c'est bon. 3, 2, 1. Absolument rien. Ah, c'est trop. Les gars, guettez le trou. L'impact, il est ici. J'ai absolument rien eu, la famille. Ça m'a vraiment pas fait mal. Du coup, ça résiste à un fusil à pompe airsoft, les gars. Et j'ai vraiment pas eu mal du tout, la famille. Je présente la M4 à batterie. Bon, elle fait beaucoup de batterie, donc elle va déjà faire très très mal. Mais là qui fait beaucoup de batterie, elle va faire un peu moins mal. On va commencer sur le mec en t-shirt blanc. Tire, vas-y. Arrête de bouger, mais bouge pas. T-shirt action, t-shirt à deux. T-shirt action. Appelle les filles. Je suis touché. Il assure rien du tout en termes de sécurité, les gars. C'est franchement de la douille. Moi, on va voir si mon t-shirt il assure mieux. 3, 2, 1, feu. Là, j'avoue, ça fait mal, gros. Ah, ça picote. Ça picote, mais ça va. Ça, mais ça picote, gros. Ça picote. Est-ce que t'es prêt pour la dernière arme? Par contre, là, le truc de Wish, gros, il a résisté. Il est pas troué, tu vois. Du coup, la famille, on se trouve pour la toute dernière scène. La scène finale. La scène ultime, les gars, avec la dernière arme. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une arme réelle, les gars. L'arme, elle est assez dangereuse. Du coup, il y aura que moi avec le gilet de Wish. Les autres, tout simplement, n'auront pas de gilet. Ils vont juste regarder. Parce que là, les gars, c'est vraiment super dangereux. On va simplement dégoter une arme airsoft ultra explosive, la famille. C'est une arme, les balles d'airsoft sont explosives, ça veut dire au contact de ma peau, elles explosent. Du coup, les gars, c'est vraiment légal. Donc, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de commentaires, de partage pour ceci. Zinedine. Une arme qui s'explose à coup de poudre. Ça veut dire que vous mettez de la poudre comme un canon. J'ai vraiment envie de voir si le pare-balles est résistant ou non. Si ce pare-balles est résistant, franchement, c'est au calme. On va tirer avec une arme à feu sur un tir de Wish. 3, 2, 1. Wow. Yannis, Yannis.